J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve enfin après des mois et des mois. Non, j'exagère un peu, ok, ça doit faire peut-être 2 mois. Pour une vidéo où je teste vraiment. Oh, je l'ai raté. Et aujourd'hui on va tester le site Jeans Industry. Depuis le temps, bordel de shit que vous me le demandez. Vu qu'on me dit à chaque fois tu parles trop, scrogneux, je vais vous parler des frais de livraison, des délais de livraison, des trucs comme ça à la fin. Les liens seront en barre d'infos et c'est parti, on va ouvrir ça. Oui. Alors. C'est quoi? Alors, tout est emballé dans des sachets individuels. Alors ça, c'est un jogos, enfin un jogging. C'est original, j'aime beaucoup. C'est un jogging noir avec en fait tout le long des lacets. Enfin, vous voyez, c'est lacets tout le long des jambes, de la jambe, des jambes, bref, avec des longues ficelles qui sont mal faites. Ce qui m'embête déjà, première chose, ça y est, ça commence. Je vais commencer à être la relou de service. Donc, c'est une taille unique. Est-ce que vous vous rendez compte à quel point c'est fin? Mais moi, je ne sais même pas si je rentre mon cul là-dedans, alors je fais du 34, les gars. Mon cul, il va passer, mais clairement, si tu fais au-dessus du 36, je sais même pas si tes fesses, elles passent, en fait. Donc, la qualité a l'air pas mal du tout. Écoutez, le seul truc qui m'embête un peu, entre guillemets, enfin, vraiment, je chipote, c'est le bout des ficelles, vous voyez? C'est un peu... on sent que ça a été fait à l'arrache, quoi. Après, j'aime bien, je le trouve vraiment original. Après, je sais très bien qu'il y en a qui vont pas aimer parmi vous. Mais du moment que ça me plaise à moi, c'est tout ce qui compte. Donc, écoutez, c'est pas trop mal. Je sais pas si on s'en rend bien compte, mais comme je vous le disais, vraiment, pour une taille unique, c'est clairement n'importe quoi. Comme on peut le voir, moi, ça me moule aux fesses, aux cuisses, enfin, ça me moule partout. Et comme je vous le disais, je fais une taille 34. Donc, enfin, je trouve que c'est n'importe quoi pour une taille unique. Vraiment, ça ne correspondra pas à grand monde. Clairement, c'est n'importe quoi au niveau des tailles. J'ai pris un énorme pull parce que j'en avais plus. C'est cool, moi, je prends des énormes pulls fin mars. Waouh, waouh, la qualité. Oh là là. Il est hyper épais. Oh, j'aime trop. J'aime beaucoup trop. Ah, il y a une petite odeur d'usine. La petite odeur de neuf, mais qui est pas agréable. Tu vois, l'odeur que tu sens et tu fais... Donc c'est un gros pull côtelé en laine, mais vraiment très 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 gros. Hein. Le truc hyper épais, donc le truc pour l'hiver, c'est parfait. Col montant beige, tout côtelé, hyper large. Je ne sais plus quelle taille j'ai pris. J'ai vraiment une mémoire de zizi. Ah, mais tout est taille unique en fait sur le site. C'est chiant ça. Et celui-là par contre est très très large. Je sais pas si ça va m'aller, mais j'aime beaucoup. En tout cas, j'adore la couleur et c'est exactement comme sur la photo. Donc déjà, ça c'est cool. À voir une fois essayé. Waouh. Ah, j'ai trop peur les amis. En fait, c'est une combinaison à... pantalon à fleurs pour le printemps. Et donc là, c'est une taille S. Donc en fait, il y a quand même des tailles sur certains articles. Moi, j'y comprends plus rien. C'est une combinaison col V avec des petits froufrous au niveau des manches. Col V également dans le dos, qui est resserré au niveau de la taille, qui est un peu transparente dans le dos, qui est même carrément transparente dans le dos en fait. Et ça, c'est large dans le bas. Donc ça, ça va être magnifique pour le printemps et l'été. On a des poches ici. La qualité est vraiment bonne. Et derrière, pour le fermer, hop, on fait un nœud derrière. Enfin, je pense que c'est ça le derrière. Devant, on a les petits détails, on a des petits boutons. Et vraiment, je la trouve belle, la qualité est bonne, les coutures sont bien faites là. Et les petits détails, elle est tellement élégante. Waouh, je vais peut-être être belle dedans. Faut pas trop rêver. Hein. Bon, alors celle-ci, je vous la recommande vraiment dans le sens où pour une fois, il y a des tailles, c'est pas une taille unique. Et en plus, elle taille super bien. Donc là, c'était une taille 34 et elle me va nickel. Il y a plein de détails, elle est d'une qualité incroyable, elle est super douce. Et dernier article, on retourne en hiver. Hein. Avec moi, on fait toutes les saisons en une vidéo, hein. Il n'y a pas de souci. C'est un énorme gilet. Ah bah pas si énorme que ça. Oh, si, ça passe en fait. Oh, il est beau, il est joli. Et du coup, j'ai pris un énorme gilet kaki. Alors vous le voyez, pas de... Mais je le pensais plus épais, parce que vous voyez, il est quand même vraiment transparent. Donc en fait, il faudra que je mette une veste par-dessus. Avec du coup, plein de détails, vous voyez, un peu tissé. Vous voyez, un peu genre qui fait torsade. Voilà, merci Margot. Encore une fois, on dirait un S, hein. C'est une taille unique. On dirait un S, voire un petit M. Et franchement, si vous faites du L, ce site ne vous correspondra absolument pas. Et L ou au-dessus. Et le M, ça dépend des articles, hein. C'est un peu fendu sur les côtés. Là je vais avoir du mal, voilà. C'est fendu sur les côtés et je le trouve très beau, très doux. Donc c'est top, voilà. Alors maintenant on va parler des frais de livraison, délai de livraison. Alors frais de livraison, j'ai rien payé, tout simplement parce que j'ai quand même fait une commande de plus de 100 euros. Donc les frais de livraison étaient offerts. J'ai fait venir mon colis en point relais, c'était hyper rapide. Mon colis est arrivé en 3 jours à peine, donc ça c'est cool. C'est pas un site chinois, parce que je ne teste pas que des sites chinois. Il y a également des fringues pour hommes, je crois que je l'ai dit, je sais plus. Comme vous pouvez le voir, ce site là, je suis un peu mitigé parce que la qualité est excellente, ça, enfin je peux pas dire le contraire, mais les tailles c'est n'importe quoi. C'est des tailles uniques, donc ça c'est chiant parce que taille unique ça n'a aucun sens au final, parce que quand tu fais du S ou du XL, tu n'as pas du tout la même carrure, la même longueur de bras, la même
t'es pas fait pareil en fait, donc mais sinon vraiment top, j'ai rien à redire d'autre à part le problème des tailles, c'est le seul souci. Je vous redirai sur mes réseaux sociaux si ça tient bien au lavage, si ça déteint pas, si ça rétrécit pas, tout ça, mais écoutez, sinon ça ressemble aux photos, enfin je peux rien dire de plus hein. Voilà tout le monde pour cette vidéo, je teste vraiment. J'ai vraiment la voix pétée hein, par contre. J'ai vraiment la voix. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésite pas à me dire d'autres sites que tu veux que je teste vraiment en commentaire. Et moi je vous mets tous les liens en barre d'infos comme d'habitude. Et voilà. En attendant la prochaine vidéo, je vous fais à tous et à toutes de très gros bisous. Ciao.